Il s'appelle Evan et Marco, on tire au tribunal. On termine avec la tribu de Dana. Ouais. Et on remonte après dans le studio. Bonne soirée tout le monde avec Virtu Radio. Ouais. Le vent souffle sur les plaines de la Bretagne armoricaine. Je jette un dernier regard sur ma femme, mon fils et mon domaine. Hakim, le fils du forgeron, est venu me chercher. Les druides ont décidé de mener le combat dans la vallée. Là où tous nos ancêtres, de géants guerriers cèdent. Après de grandes batailles, se sont imposés en maîtres. C'est l'heure maintenant de défendre notre terre contre une armée de Sumériens prêtes à croiser le fer. Toute la tribu s'est guéunie autour de grands menhirs pour invoquer les dieux afin qu'ils puissent nous bénir. Après cette prière, avec mes frères sans faire état de zèle, les chefs nous ont donné à tous d'égorger des dromelles. Pour le courage, pour pas qu'il y ait de faille, pour rester grand et fier quand nous serons dans la bataille. Car c'est la première fois pour moi que je pars au combat, et j'espère être digne de la tribu de Dana. Ça fait quoi? Dans la vallée. Toute la tribu de clèves en moins courait vers l'ennemi. La lutte était déglée, je ne voyais que les ombres, tranchant l'ennemi qui revenait toujours en surnombre. Mes frères tombés l'un après l'autre devant mon regard, sous le bois des arcs qui possédaient tous ces barbares. Des lances, des haches et des épées dans le jardin d'Éden, qui écoulait du sang sur l'herbe verte de la plaine. Comme ces jours de peine, l'homme s'étreint à la limite du règne du mal et de la haine. Fallait-il continuer ce combat déjà perdu? Mais telle était la fierté de toute la tribu. La lutte a continué comme ça jusqu'au soleil couchant. Cité extrême en plus d'acharnement. Fallait défendre la terre de nos ancêtres enterrés là. Et pour toutes les lois, lois de la tribu de Dana. Encore une fois s'il vous plaît. Dans la vallée. D'un chef ennemi qui rappelait toute sa horde. Avait-il compris qu'on lutterait même en enfer, et qu'à la tribu de Dana appartenait ses terres. Les gagnants repartaient, je ne les comprenais pas, tous les chemins qu'ils avaient fait pour en arriver là. Quand mon regard se posa tout autour de moi, j'étais le seul debout de la tribu, voilà pourquoi. Mes doigts se sont écartés tout en lâchant mes armes, et le long de mes joues se sont mis à couler des larmes. Je n'ai jamais compris pourquoi les dieux m'ont épargné de ce jour noir de notre histoire que j'ai compté. Le vent souffle toujours sur la Bretagne armoricaine, et j'ai rejoint ma femme, mon fils et mon domaine. J'ai tout reconstruit de mes mains pour en arriver là. Je suis devenu roi, roi de la tribu de Dana. Une dernière fois s'il vous plaît. Dans la vallée. Marco, l'album va sortir le 1er décembre. Il y a des reprises de Black M, il y a des reprises de Soprano dedans, c'est ça? Et il y a plein d'autres surprises. Faites beaucoup de bruit pour eux, ça va vous souhaiter bonne chance les gars. À bientôt. Hey, si la vidéo elle t'a plu, alors tu appuies sur le petit pouce bleu, ok? Et tu n'hésites pas à t'abonner à la chaîne et à activer avec la petite cloche. Comme ça, mes petites vidéos, tu les verras avant tout le monde. Allez, à bientôt.